Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une application qui vient tout juste de sortir du nom de Lookout. En fait, cette application est ultra géniale. Les possesseurs d'iPhone, les possesseurs d'iOS qui possèdent déjà Seeing AI de chez Microsoft vont être très jaloux de cette application car elle n'est pas sous iOS, elle n'est que sous Android et franchement, c'est un truc de fou. Vous allez voir que la puissance de cette application Lookout, développée par Google, est vraiment extraordinaire. Alors, vous vous dirigez sur le Play Store, vous marquez Lookout, L-O-O-K-O-U-T, tout collé. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on va tout de suite lire toutes les informations de cette application extraordinaire. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses avec cette application, vous allez être vous-même surpris. Alors, dites-moi si, d'après vous, Android remonte son accessibilité par rapport à iOS. Je pense que quand même, aujourd'hui, l'accessibilité devient de plus en plus puissant sur chaque OS. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour m'encourager et pour faire monter la chaîne sur YouTube. C'est parti les amis pour cette aventure Lookout de chez Google. Vous êtes dirigé sur le Play Store, que vous avez téléchargé votre application Lookout par Google. Lookout par Google. On va lire pourquoi Lookout peut être une application ultra importante pour toute une catégorie de personnes malvoyantes, personnes aveugles, personnes dyslexiques, les seniors qui ont du mal à lire sur leur boîte de conserve, sur leur boîte de médicaments, c'est vraiment extraordinaire. N'hésitez pas les amis à partager cette vidéo, cette application peut être utile pour beaucoup de monde et franchement, vous n'allez pas être déçus. Beaucoup de gens vont pouvoir devenir autonomes dans la lecture de leur courrier et de toute autre chose de la vie quotidienne. Attention, cette application est compatible spécialement sur les smartphones et tablettes en 64 bits. Ceux qui ne sont pas équipés du 64 bits, malheureusement, l'application ne sera pas accessible. C'est parti. Analyse de documents, enregistre toute une page de texte étiquette alimentaire, bêta, identifie les aliments. Alors, on va lire ce que cette application peut vous procurer comme avantage dans votre vie quotidienne. C'est parti. Par Google. Nouveauté. Analyse de documents, enregistre toute une page de texte étiquette alimentaire, bêta, identifie les aliments à leur emballage en plus du code barre, apparence repensée. Lookout est plus facile à utiliser et efficace avec les lecteurs d'écran. Compatibilité, Lookout fonctionne sur tous les téléphones équipés d'Android 6 ou plus, avec au moins 2 gigaoctets de RAM, performance améliorée et bugs corrigés. À propos de l'appli. Aider les personnes souffrant d'une perte de vision à explorer le monde. Lookout utilise la vision par ordinateur pour aider les personnes souffrant d'une déficience visuelle ou non-voyante à accomplir des tâches plus rapidement et plus facilement. Grâce à l'appareil photo de votre téléphone, Lookout facilite la recherche d'informations sur le monde qui vous entoure. L'application vous permet également d'accomplir des tâches quotidiennes plus efficacement, comme trier le courrier, ranger les courses et plus encore. Conçu sur les conseils de la communauté des non-voyants et des malvoyants, Lookout soutient Google dans sa mission, qui consiste à rendre les informations accessibles à tout un chacun à l'échelle mondiale. Lookout dispose de 5 modes vous permettant d'effectuer diverses actions. Nouveau, en plus de scanner les codes barres, vous pouvez désormais identifier rapidement les produits alimentaires emballés grâce au mode d'étiquette alimentaire, bêta, disponible dans 20 pays. Nouveau, le mode d'analyse de documents vous permet de lire une page entière de texte. Réaliser une capture d'écran d'un document, et Lookout se charge de scanner le texte, qui peut alors être lu à voix haute par votre lecteur d'écran ou agrandi sur votre téléphone. À l'aide du mode lecture rapide, vous pouvez survoler un texte pour qu'il vous soit lu à voix haute. Ce mode est particulièrement utile pour trier le courrier. Par exemple, le mode de vise vous aide à identifier les billets de banque américains de manière rapide et fiable. Le mode exploration, bêta, vous propose des informations sur les objets qui vous entourent. Lookout est disponible en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien sur tous les appareils Android équipés d'Android 6 ou version ultérieure et disposant d'au moins 2 gigaoctets de RAM. Voilà cette application, ce qu'elle va faire pour vous. Elle va vous rendre encore plus autonome dans la lecture de votre courrier. Et ça, c'est la mission de la Team Vision.
C'est la mission de Vision High Tech de vous montrer toutes ces nouvelles technologies accessibles. Alors maintenant, passons au test. Merci de me suivre, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez la vidéo, partagez-la, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour le test réel de Lookout de chez Google. Une grosse avancée pour les personnes malvoyantes sur Android. Alors passons tout de suite à l'ouverture de cette application du nom de Lookout. On va voir ensemble ce que Lookout peut nous apporter. C'est parti. Lookout en mode exploration. Version bêta. Lookout en mode exploration. Tablette tactile avec le texte. 10h2T19. On est mis en mode exploration rapide. Ce qui veut dire que là, dès que vous allez diriger votre smartphone devant vous, l'application va être capable de vous dire ce que vous avez devant vous. Par exemple, ici, je vais mettre une boîte. Texte, OK. Texte, trouver wireless AirBuds. Et d'autant plus, elle nous lit le texte instantanément. Ordinateur portable. Écran d'ordinateur. Enceinte connectée avec le texte. Amazon. Deux écrans d'ordinateur table avec le texte. Coussin. Plante d'intérieur. Pot de fleurs. Bâtiment. Bâtiment. Vêtements. Pot de fleurs. Ours en peluche. Voilà, lorsque vous êtes sur exploration, ce qui veut dire que votre smartphone devient votre œil. Tout ce qu'il y aura devant la caméra, ça vous sera dicté. Passons à la phase suivante. Étiquette alimentaire, version bêta. Conseil pour utiliser le mode d'étiquette alimentaire. Vous scannerez le code barre d'un produit ou reconnaître le recto de son emballage. Placez-le devant votre appareil photo et faites-le pivoter lentement. Non vérifié. OK. Touche. Lookout en mode étiquette alimentaire. Alors, on va prendre quelques produits alimentaires et voir si Lookout est capable de nous dire ce que l'on a devant nous. Alors, on va déjà commencer par ce petit produit, voir s'il est capable de nous dire ce que c'est. Madrange terrine de campagne Madrange. Alors, bien sûr, il faut arriver à capter le code barre. Et là, il vous dit exactement ce que c'est comme produit. Passons à la phase suivante. Lecture rapide. Lampe de poche désactivée. Conseil pour utiliser le mode lecture rapide. Dirigez l'appareil photo vers le texte à lire. Si la lecture n'est pas claire, essayez de rapprocher ou d'éloigner l'appareil, ou bien de le faire pivoter. On est donc sur le mode lecture rapide. On va vérifier s'il est capable de nous lire, par exemple, des boîtes de médicaments. On va prendre cette boîte de médicaments et on va voir s'il est capable de nous la lire. 1028 Ultra Levure Saccharomyces Boulardii CNCMI 745 200 NG 10 Gélules Bio Codex. On va tenter une autre. On va prendre cette boîte. Doliprane adulte 1000 douleurs et fièvre 8 comprimés Sanofi 80. 10.14. Doliprane adulte 8 comprimés Sanofi 1000 mg douleurs et fièvre. C'est vraiment extraordinaire. Information pour paracétamol vol d'administration. Voie orale, fruits, de lait, eau, avant exemple. Ce médicament contient dernière petite boîte. Quiti buprophène Milan 400 mg comprimé pédiculé et buprophène voie orale 20 comprimé pédiculé des Milan. Ibuprofène Milan 400 mg comprimé pédiculé et buprophène avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas. Ibuprofène 400 mg pour un comprimé pédiculé. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle technologie sur un smartphone Android avec une telle puissance? Ici on a lu des médicaments, on va lire maintenant du texte. Un bouquin Sciences et Avenir quelconque, je le mets devant mon smartphone et c'est parti. Et à venir, juillet à août 2020, numéro 88, 882 le plus loin de là en fala. Nouvelle découverte, histoire la famille du genre humain Philippins, analyse fossile permis d'identifier 4 nouveaux inconnus plus au pied et Andertal ont vécu en 30. S'agrandit appartenant d'individus adultes, vieillards, 2013 que demander né, analyse de documents, lampe de poche désactivée. Conseil pour utiliser le mode d'analyse de documents. On peut donc aussi faire de l'analyse de documents, le partager, le copier, c'est vraiment extraordinaire. Conseil pour utiliser, tenez votre appareil en mode portrait, déplacez-le lentement et écoutez les conseils de Lookout en temps réel pour prendre la meilleure photo possible du document dans son intégralité. Vous pouvez également utiliser le bouton capturer un instantané à tout moment pour lire le texte détecté. Lookout donne parfois de meilleurs résultats avec un instantané qu'avec une prise de vue en direct. Allez, Lookout c'est parti. En mode analyse. Alors j'ai mis un texte au-dessus de mon téléphone et maintenant je vais simplement le mettre par-dessus et voir comment ça se passe.
J'ai un petit bouton en bas à gauche. Démarrer, touche. Qui me permet d'appuyer pour activer. Qui me permet d'arrêter ou de démarrer l'application. Impossible de détecter du texte. Trop près, éloignez l'appareil. Trop près, éloignez-vous. 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 Essayez de capturer un autre instantané pour scanner ce qui s'affiche. Ne bougez pas. Détail de l'élément récent. Nouvelle découverte, la famille du genre humain s'agrandit de l'Afrique aux Philippines. L'analyse de fossiles a permis d'identifier 4 nouveaux inconnus jusque-là. En plus de sapiens et de néandertal ont vécu entre moins de 335 000 et 50 000 ans. 0 autres espèces, Homo sapiens, est désormais la seule du genre sur Terre. 2500 ossements appartenant à une quinzaine d'individus. C'est vraiment énorme. Adultes et vieillards, elle compte aujourd'hui 7000, qui ont été extirpés en 2013 d'un milliard de membres. Les chers réseaux de grottes au poids que cher ont longtemps pensé, les scientifiques se sont demandé que Néandertal, découvert ou s'il avait trouvé une tombe siècle, avait été la seule autre collective. S'agit en fait d'homo espèce d'homo à avoir vécu sur Naledi, 1,50 mètres. On va en prendre une autre. Nouvelle. Santé crise Covid-19, professeur Didier est infectologue épidémiologiste, médecin-chef hôpitaux universitaires de Genève, expert au pro de l'homme et inventeur du gel hydroalcoolique. Le virus peut revenir comme la première fois contrôlé, prêt à être vraiment. Peut-on reconfiner sans vague seconde une la réponse scientifique? C'est oui. Les modélisations montrent l'importance de demander hygiène essentielle, paramètres c'est physique, sociale ou distanciation là est déterminant. Et dès que la distance de plus d'un mètre ne peut pas être respectée, le masque est très fortement recommandé. Mais il doit être porté et manipulé avec toutes les précautions nécessaires pour rester utile. Conseil pour utiliser le mode de vise, premier élément. Alors pour le mode de vise, pour l'instant, nous n'avons pas encore les euros. Malheureusement, c'est un peu curieux, je trouve ça bizarre. Conseil pour utiliser le mode de vise. Dirigez votre appareil photo vers un seul billet à la fois. L'OPPO ne fonctionne pour le moment qu'avec les dollars américains et ne reconnaît pas les pièces de monnaie. Voilà donc, en espérant que très bientôt une mise à jour puisse corriger ce problème. Non vérifié, ok. L'OPPO. Voilà donc pour cette application de la vie quotidienne, de ce qui se passe dans leur frigo, de leurs médicaments, enfin, tout un tas de choses que l'on a besoin lorsqu'on est une personne bien voyante. Merci à vous de vous abonner à la chaîne Vision High Tech et on se dit à très vite, prenez soin de vous. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Salut à tous et à bientôt. Salut.